Bonjour à tous et bienvenue à la bibliothèque municipale pour notre petite capsule croque-livre. Alors, le croque-livre, c'est quoi? Ben, c'est un club de lecture qui s'adresse aux filles et aux garçons de 4 à 13 ans. Et tu dois avoir ton 4 ans au 1er octobre 2022. Alors, c'est une façon amusante aussi de garder tous tes acquis scolaires durant l'été. Et pour t'encourager, on va te donner des petites prix de participation, des petites surprises. Tu vas être invité à un spectacle à la fin de l'été et tu vas courir la chance aussi de gagner des prix. Croque-livre, c'est gratuit. Tu vas avoir simplement besoin d'être inscrit à la bibliothèque municipale, d'avoir ta carte et vous rappeler que la carte de bibliothèque est gratuite pour les résidents de Saint-Georges. Alors, le croque-livre, comment ça fonctionne? Eh bien, tu viens à la bibliothèque, tu empruntes des livres, on va mettre sur bien en évidence des suggestions de lecture. Donc, tu vas pouvoir emprunter des bandes dessinées, des romans, des albums, des documentaires, des revues. Et cette année, le thème est les chevaliers. Donc, on va faire une belle bibliothèque thématique où tu vas avoir donc des livres sur les chevaliers, les châteaux forts, le Moyen-Âge, les princesses, les princes et quelques dragons. Et tu as aussi des suggestions sur notre site avec des beaux carrousels où tu vas pouvoir donc cliquer sur les livres pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et tu vas pouvoir les réserver si tu veux. Alors, quand tu vas vouloir t'inscrire, on va te donner un petit passeport. Alors, il y a deux sortes de passeports. Il y a le petit passeport cric-crac-croc pour nos amis du préscolaire et le passeport régulier. Quand tu vas recevoir ton passeport, tu vas avoir donc à l'intérieur une petite feuille avec le fonctionnement du croque-livre et ton passeport et les petits coupons pour tes prix de participation. Alors, si tu es un cric-crac-croc préscolaire, on va te demander du temps de lecture. Donc, chaque fois que tu auras fait un 15 minutes de lecture avec papa, maman, tu vas pouvoir colorier ton bel écusson de chevalier ou de chevalière. Et une fois que tu vas en avoir colorié 5, ici, là, donc 5 fois 15 minutes de lecture, on te dit passe à la bibliothèque pour réclamer ton premier prix. Alors tu viens nous voir, tu nous donnes ton premier coupon que papa et maman auront rempli et en échange on va te donner ta première surprise. On continue avec jusqu'à la dixième, le dixième temps de lecture. Tu reviens nous voir, passe à la bibliothèque pour réclamer ton deuxième prix. Ton deuxième coupon, ta deuxième surprise et jusqu'à la fin ici où tu remportes la coupe du chevalier qui a lu ses 15 temps de lecture et tu viens nous voir, on te donne ta troisième surprise, tu nous donnes ton petit coupon et aussi un certificat de mérite pour te féliciter de tous tes temps de lecture. Les amis plus grands, pour le passeport régulier, tu vas aussi avoir une petite feuille avec de l'information pour le fonctionnement du club et tes petits coupons. Et par exemple, on va vous demander d'inscrire le titre de vos lectures. Donc, quand tu vas avoir 5 titres de lu, tu viens nous voir, même principe, tu nous donnes ton premier coupon signé par tes parents. On te donne ta première surprise, dixième lecture, deuxième coupon, deuxième surprise, quinzième lecture, ton troisième coupon et ton certificat de mérite avec ta troisième surprise. Puis, ce qui est important aussi, c'est que même pour nos amis cric-crac-croc, c'est que nous, on veut te donner ta surprise à toi. On ne veut pas que ce soit papa ou maman qui viennent avec le coupon puis le petit passeport. C'est pas à eux qu'on veut donner la surprise, c'est à toi. Parce qu'on veut savoir si tu as aimé tes lectures. Donc, c'est important que tu viennes toi-même prendre tes surprises. Alors, je vais vous montrer les surprises, mais de l'année dernière. Parce que je n'ai pas reçu celles de cette année. Donc, ça va être vraiment des surprises. Alors, l'année dernière, quand tu avais donc tes 5 lectures,
On te faisait choisir des petits carnets comme ça avec notre ami Erville dessus. Pour la 10e lecture, tu avais un beau jeu de cartes, comme ça, toujours avec Erville. Et pour la 3e lecture, eh bien, il y avait des gourdes ici en plusieurs couleurs, coloris, que tu pouvais choisir. Alors, il y a toujours au moins deux choix dans les surprises. Donc, ne t'inquiète pas s'il y a une surprise que tu trouves moins, qui te plaît moins. Ben, c'est pas grave, tu vas avoir un autre choix. Donc, voilà pour le fonctionnement du croque-livre. Cette année, nous avons la chance d'avoir un spectacle de prévu pour la fête de clôture du croque-livre. Et si tu as ton passeport, tu vas avoir l'invitation. Donc, c'est un spectacle qui va se passer à l'espace Carpe Diem et qui s'appelle Nom d'une botte. Et tu vas, on te demande pour l'occasion d'enfiler des bottes de caoutchouc. Alors, à la fin de ce spectacle, on va dérouler des grandes banderoles avec le nom de tous les gagnants. Et cette année, encore une fois, on a des très beaux prix. Donc, on a un ensemble de camping pour 4 personnes, un vélo, deux trottinettes, des jeux de plein air, des jeux de société, des livres, des certificats cadeaux, une centaine de prix à gagner. Donc, si tu es sur place la journée du spectacle, tu vas pouvoir repartir avec ton prix si tu es l'un des gagnants. Alors, comment t'inscrire? Tu as deux façons. La première, ça va être en ligne à partir du 11 mai, donc c'est très bientôt, jusqu'au 16 juin. Tu vas aller donc sur notre site au www.ccmf.saintgeorges.ca. Tu cliques sur Bibliothèque, tu descends jusqu'à Programme. Et là, tu vas tomber directement sur le formulaire d'inscription du croque-livre. Les amis, si vous vous inscrivez en ligne, on va vous envoyer un courriel pour vous informer quand vous pouvez venir chercher vos passeports ici à la bibliothèque. Donc, ça ne sera pas avant le 11 juin. Donc, si tu t'inscris le 11 mai, il va falloir que tu attendes un mois avant de venir récupérer ton passeport. La deuxième façon de t'inscrire, ça va être ici, sur place à la bibliothèque, à partir du 17 juin. Donc, tu viens t'inscrire et tu pars directement avec ton passeport. Alors, voilà toutes les informations concernant le croque-livre. Donc, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos cousins, à vos cousines. Et on se dit à très bientôt ici à la bibliothèque municipale pour le club de lecture. Je te souhaite un très bel été et surtout de très belles lectures. Au revoir.